MediaKit va vous montrer dans ce tutoriel comment sauvegarder et restaurer la configuration de votre modem, le modèle du modem routeur Edelink DSL2790U. Première partie, comment créer un fichier de sauvegarde de la configuration de votre modem. Tapez l'adresse IP suivante, 192.168.1.1 et appuyez sur Entrée. Tapez ici, nom d'utilisateur, admin et le mot de passe par défaut, admin. Si vous avez déjà changé le mot de passe, utilisez-le ici. Et cliquez sur Login. Cliquez sur Management. Cliquez sur Backup Setting. Cochez cette case et cliquez sur OK pour sauvegarder votre fichier. Créez un nouveau dossier sur le bureau où vous allez sauvegarder le fichier de sauvegarde de la configuration du modem et renommez-le en utilisant le nom du modèle de votre modem. Dans notre cas, c'est le modèle D-Link DSL2790U. Cliquez sur Save pour terminer. Le fichier de sauvegarde de la configuration du modem, ou backup, a été enregistré avec succès. Si le modem a été réinitialisé pour une raison ou une autre, vous pouvez le restaurer à partir de ce fichier. Deuxième partie, comment restaurer la configuration de votre modem à partir d'un fichier de sauvegarde. Connectez-vous au modem comme il est indiqué dans la première partie. Cliquez sur Management. Cliquez sur le bouton Browse pour sélectionner le fichier de sauvegarde. Et ouvrir le dossier où vous avez sauvegardé le fichier de sauvegarde. Sélectionnez le fichier Config. Cliquez sur Open. Cliquez sur le bouton Update Setting. Veuillez patienter s'il vous plaît, cela prendra un moment. Bravo, la configuration du modem a été restaurée avec succès. Voilà, nous avons terminé. Merci d'avoir regardé, MediaKit.net. Et surtout n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne.